l'assaut est vraiment très spécial. Cash. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Cash. Aujourd'hui, vidéo Shake and Fidget qui sponsorise cette vidéo. C'est le 11e anniversaire de Shake and Fidget. Donc allez télécharger le jeu dans la description. C'est gratuit. Et je suis sur le serveur International 42. Aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Je vais vous raconter un trip de fou que j'ai fait. Il y a aussi un easter egg caché sur mon Instagram. Et je vais vous expliquer pourquoi Cagoulé est un gros schlag. Yeah. Ok, déjà, le business se porte super bien. Enfin, ça va parce que j'ai du diamant maintenant. Et j'avais jamais eu de diamant ni d'or. I got a diamond ring. Cash. Je dois parler de Cagoule. Parce que Cagoule, il est vraiment alcoolisé. Je vais vous montrer des screens de conversation de Cagoule. C'est pas pour le juger ou quoi, mais c'est juste qu'en fait, il a fait 4 vidéos sur moi, genre en disant ouais, c'est un drogué. Mais lui, là, il est complètement alcoolisé et bah, l'alcool, fais juste attention, mec, parce que bah, c'est dangereux en fait. J'en ai vraiment pris beaucoup, moi, quand j'étais au Japon, de l'alcool, parce qu'il y avait que ça, donc j'ai vraiment pris beaucoup de ça, tout le temps, tous les jours. Et vraiment, j'ai fait des trips de l'espace et je peux vous dire qu'avec ce truc, avec l'alcool, vraiment, vous pouvez perdre comme le contrôle. Vous pouvez perdre totalement le contrôle de vous. Mais c'est même pas le contrôle de vous, c'est-à-dire que vous n'êtes même plus vous-même. Vous pouvez devenir violent pour certaines personnes, vous pouvez devenir dépressif, enfin, c'est hardcore, il peut se passer plein de trucs. Donc il faut réguler, faire attention et jamais, surtout jamais prendre trop de quoi que ce soit, en fait, que ce soit du sucre, du sel. Si vous en prenez trop, vous allez être malade, vous allez avoir des problèmes. Et c'est toujours pareil, pour vous, faut pas abuser de rien. Et n'essayez jamais aucune drogue si vous n'avez pas 18 ans, tout simplement parce que votre cerveau ne sera pas totalement formé. Vous risquez de l'abîmer et de devenir fou. Moi j'ai 21 ans, je te précise là parce qu'il y en a, ils savent pas. J'ai 21 ans, bientôt 22, ouais, je suis vieux. Oh, diamond fucking ring. Oh, aussi, on est passé en 4K, bande de pute. I got a Cajun and Cajun, yeah. Je vais vous raconter un trip que j'ai fait de weed. C'est-à-dire que c'est un trip d'herbe, c'est tout, j'ai juste fumé de l'herbe. Et on a quand même un trip quand on en fume vraiment beaucoup. Ben on peut avoir un trip, c'est-à-dire qu'il va se passer un voyage, comme quelque chose de spécial va se produire. Des fois, c'est pas un bon voyage, on appelle ça un bad trip. Et là, c'était trop bizarre. C'était vraiment super, super bizarre. En fait, tous les éléments qui se passaient autour de moi faisaient mine de donner un bad trip. C'est-à-dire qu'il y avait des trucs vraiment flippants sur mon chemin. Et il y en a commencé à en avoir tellement beaucoup que j'ai commencé à les prendre en photo, à me dire putain, je vais leur faire une story, c'est what the fuck. Il y avait vraiment plus de ça, et ce qui me faisait super rire, excusez-moi, c'est que en fait, je pouvais pas avoir peur, et je sais pas pourquoi en fait. Ça faisait super flippé tout ce qu'il y avait autour de moi, c'était super sombre, il y avait personne à part moi parce qu'il y avait le coronavirus. En plus, on pouvait même pas sortir. Et du coup, j'étais le seul dehors, et il y avait des ambiances comme ça super sombres avec moi. Mais c'était trop bizarre, parce qu'en fait, moi, je peux pas être. D'habitude, j'ai plein de choses comme ça, là, je commence à flipper, ou avoir un bad mood, là, ou avoir une sorte de vibe. J'ai un peu peur. Et bah là, non, pas du tout en fait. J'étais en mode, je rigolais, j'étais en mode, ouah, c'est trop bizarre. Alors que je suis défoncé, je me fais même pas influencer par ça. Et j'étais en mode, ouah, c'est trop bizarre. Oh yeah, c'est là. Déjà, première photo, je me souviens, c'était à la tombée de la nuit. Justement, le trip a duré vraiment longtemps, enfin plusieurs heures que j'ai pas vu passer. En tout cas, au début, le soleil se couchait. J'ai shooté, je voulais juste être assis tranquille là dans la forêt. Dans l'eau, dans une rivière, je vois une sorte de pépite d'or en fait. Enfin, pour moi, c'était de l'or en fait. Enfin, je sais pas pourquoi, quand j'étais démonté, ça brillait dans l'eau. C'était jeune. Enfin, pour moi, c'est une rivière, je sais pas. Même là, je suis en train de penser que c'est de l'or là. En tout cas, je sais pas, mais j'étais persuadé que c'était de l'or. J'étais en mode putain, mais il y a au moins 2500$ d'or là-dedans là. Et j'étais en mode putain, mais il me faut ça. En tout cas, voilà, j'ai fini par rentrer. Et là, je ne sais pas pour quelle raison, mais en fait, je me suis retrouvé en ville. Et là, je commence à voir des trucs bizarres. Déjà, la lune est super claire. La lune est vraiment, vraiment super claire. En fait, moi, je suis dans un bon mood, toi, c'est la rue. Mais je sais pas pourquoi je pense à une sorte de fantôme là sur les rochers. Quand vous voyez les rochers comme ça là, je sais pas pourquoi je pense à une sorte de dame blanche. Je sais pas si vous voyez bien sur l'image, mais il y avait des sortes d'orbes de brouillard et on aurait dit des fantômes, enfin ça faisait peur un peu. Et moi j'avais peur qu'on me pousse dans la falaise, il y avait un pouce dans la falaise, un peu de petite peur, mais comme je vous ai dit, j'avais vraiment rien qui pouvait me faire peur, je sais pas pourquoi. Et du coup j'avais pas peur en fait, moi j'étais entre mais je pensais quand même à ça dans ma tête parce que bah, je pensais à plein de trucs en fait. Mais en tout cas là pour l'instant c'est tranquille, le trip avance. Et après c'est comme ça. Et là une tête énorme de clown tueur apparaît, enfin ça fait super peur. Et moi ça faisait tellement peur que je me suis dit, mais what, mais on dirait qu'il y a un mec qui essaie de me faire un prank. Mort de rire, mais en fait ça faisait pas du tout rire, et il y a un truc qui m'a fait vraiment flipper pour le coup juste après. Oh damn, c'est cette image, c'est là en fait j'ai eu super peur, parce qu'en fait moi je voyais pas du tout l'image comme ça, là en fait c'est une sorte de meuf, ouais ça c'est une sorte de meuf alien, enfin c'est bizarre, en tout cas moi je voyais le dessin à l'envers.